Nous voilà à quelques jours de Banjul et de la Gambie, sur le Dôme de Guinée, pour notre dernière station avant de toucher terre. On cherche ici à échantillonner un phénomène bien particulier présent sur cette zone, une OMZ. C'est un volume d'eau situé à moyenne profondeur où la teneur en oxygène par kilogramme est bien plus faible qu'à la normale. Le 151 était centré sur un endroit, un phénomène qu'on appelle le Dôme de Guinée. Donc l'idée pour nous, c'était de venir ici et d'aller échantillonner l'eau en surface et d'aller chercher l'eau dans la zone dépétée en oxygène qu'on appelle une OMZ, oxygène minimal zone. Okay. On est échantillonné avec un temps aussi misérable. C'est un peu dynamique, mais quand même ça donnait un petit coup de stress et aussi un petit coup de peps. Les organismes qui vivent dans ces eaux pauvres en oxygène sont différents de ceux en surface et donc c'est très intéressant pour nous d'aller étudier ce qui se passe à ce niveau-là. Donc ça c'est le but principal de la station 151, Dôme de Guinée. Sur la station Dôme de Guinée, il a plu, tout le monde était trempé, tout le monde. Et du coup, la rosette ne marchait pas, donc tout le monde était frustré en fait. Au final, le câble a pu être réutilisé pour envoyer les instruments de la rosette séparément. On a donc désassemblé la rosette pour envoyer toutes les bouteilles Niskin par petits groupes afin d'effectuer nos prélèvements d'eau. Dernière station pour notre équipe scientifique, l'émotion est là, après près d'un mois embarqué. C'est maintenant l'heure pour chacun de revenir sur ces semaines embarquées à bord de la goélette et ces moments assez uniques passés ensemble. À bord, il y a plusieurs nationalités, mais le vivre ensemble m'a beaucoup interpellé et c'est une valeur ajoutée également dans ma culture. Moi j'ai adoré, c'était une super super expérience, c'était ma première fois sur Tara et c'était aussi génial qu'on l'avait annoncé. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir tous les gens d'horizons différents qui se mélangent et de voir la coopération entre scientifiques, marins, médiamans. Et ça, non, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle unité à bord et j'ai trouvé ça très très chouette et très très instructif.